ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60, 116 Digital Cable, Télémégastar, avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60 Télémégastar. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière, où l'art s'interroge. Comme vous le savez déjà, c'est une émission qui est conçue pour les artistes peintres, les collectionneurs, les galeristes et les amants de l'art. L'art n'est pas forcément suivi d'une certaine liberté. Il est multiple, mystique et mythique dans tout son cheminement. Et l'art découle toute la diversité de son engagement à travers le temps et l'espace. Chers téléspectateurs de la chaîne 60, nous allons découvrir ce soir le Voix Exil. En peu de mots, qu'est le Voix Exil? Le Voix Exil est né le 19 octobre 1944. Il est issu d'une famille vaudouisante. C'est l'un des pionniers du mouvement de Saint-Soleil. Si aujourd'hui nous voulons parler de du mouvement de Saint-Soleil, le Voix Exil, on dirait que c'est l'un des derniers ténors de ce mouvement où André Malraux, lors de son passage en Haïti en 1972, il avait consacré une quinzaine de pages à ce mouvement. Donc dans cet ouvrage-là, vous allez découvrir les deux toiles de Le Voix Exil. Mais il ne faut pas oublier, et en 1978, quelqu'un qui ne sait pas trop bien lire écrire, qui ne fait qu'écrire à travers ses toiles, on finit par découvrir une des lettres hébraïques. Vous le savez très bien, malgré qu'on disait que la Bible a été mal traduite à un certain temps à cause des lettres hébraïques, parce qu'il n'y avait pas des docteurs savants. C'est juste pour vous dire que quel le Voix Exil par rapport à ses œuvres. Donc ce soir, nous avons avec nous le Voix Exil, artiste peintre de l'école de Saint-Soleil. Allez.
ombre et lumière. Bonsoir, le roi exil. Bonsoir, Gérard. Bon, très content d'être que nous rencontrons pour le dialogue. C'est que nous voyons que deux pas carrière ou deux pas connaissance ou bien en peinture là, tandis que aussi vous consacrez, c'est on met vous au niveau de peinture de Saint-Soleil. Mais Saint-Soleil là, que comme nous pas enseigner l'art presque dans toute l'école, ok, tout à connaît pour une nouvelle génération, hein, ok, ou bien pour génération actuelle, là, tu as connaît qui c'est ça, qui est-ce qui peinture Saint-Soleil, qui ça peinture Saint-Soleil là. Même dans les mêmes cas, expliquer en gros, qui ça peinture Saint-Soleil là, qui est et comment c'est connaissance, ou t'as pas beaucoup de détails. Bon, Gérard Sordia, c'est des. C'était du fait. Parce que la dignité, c'est une petite force au pays. Mais malheureusement, je ne suis pas les gens qui prennent ça en charge. Mais nous-mêmes, même Saint-Soleil, nous sommes toujours là, avant-garde, pour être capable d'intéresser de cela. C'est ça fait. Dans ce soleil, Dieu qui me nettoie l'heure, il fait le faire petit. Et puis, Dieu petit mouillot, tout va danser. Je dis, moi, passé là, j'étais dans la télévision Galaxie. C'est là que mouillot est arrivé, j'étais au fil en prime, il est le troisième. Ah bon, ok. J'étais troisième, et nous toujours voulons continuer, je dis, nous avons d'âme qui veut acheter. Son dame qui fait étudier au Canada, qui toujours veut travailler ensemble avec nous là. Ok. Mais et le roi, en quelle année Saint-Soleil a créé? Saint-Soleil créé en 1972, mais son bail qui parle de date, qui pas daté. Qui veut dire, si il a bien longtemps, depuis dans votre temps, si il a travaillé, c'est tout le mouvement. Mais c'est sur le éclaté comme un symbole, c'est pas d'un petit gars qui a rencontré avec Saint-Brice, et puis il y a dialogue. Saint-Brice, c'est un artiste. Saint-Brice, son artiste et son mouvement. Et tout. Ah, ok. Et puis pendant les petits tableaux, Saint-Brice dit, mais petit gars, ça, c'est sur le mon cher. Tableau, il dit, c'est comme Saint-Soleil. Petit gars, même, il fait la tête à part, et puis là, il commence à travailler. Et puis, un paysan qui veut offrir un tigre, c'est à sa sous la montagne. Et puis, pendant que le tigre a passé 15 matin, le tigre a regardé terre. Puis, le soleil là, qui est de base générale, comme un symbole, comme un boulzé qui a pointé. Et puis, dans la tigre a dit, mais c'est là ma prime créé le nom Saint-Soleil. Mais le moment Saint-Soleil éclaté comme un coup d'éclair, on croit qu'il y a un grand écrivain, ex-ministre de la culture française, un éminent historien, en parlant André Malraux. Pourquoi parler un peu de qui c'est André Malraux, qui apporte André Malraux côté que dans le mouvement de Saint-Soleil là, parce que les mafies intemporelles, moi je vois que et André Malraux consacré une quinzaine de pages à le mouvement de Saint-Soleil là. Est-ce qu'on a une petite histoire de André Malraux, rencontrer André Malraux avec le mouvement Saint-Soleil là? Histoire André Malraux connaît et là qu'ici, nous connaissons partout dans le monde. André Malraux, tu es venu faire la classe romaine, tu es venu occuper l'affaire personnelle. Pendant André Malraux, ses domaines, et puis le programme journal Nouvelliste, et puis pendant la période, il y a une page Nouvelliste, écrit sur Saint-Soleil, et puis André Malraux dit, pour la Haïti. Et puis l'un des malheureux entre en Haïti, ils ont pris le coup du palais national à la reprise. Et ils ont dit non, il n'y a pas le national qui a besoin. Ils ont dit que c'est soit sur la bataille qui a besoin, c'est l'ancien soleil qui a besoin. Et puis tu touches pour on machine numéro 1, mais il y a des malheureux à la bataille. Et l'un des gars fixé. Rendez-vous avec André Malraux, et puis le jour où M. Portaléan, pour une belle position pour lui. Et puis, exposition sur statue. Et puis,
même au théâtre, qui était bien l'Obia, et qui était rentré dans le livre là, parce que maquette là, qui était fin achevée. Ok, et c'est-à-dire que c'était le dernier ouvrage, André Malraux. Et puis, le secrétaire, on veut tirer l'Obia sous maquette là, entre Haïti et Saint-Soleil. Ok. Là que Saint-Soleil vient éclaté. Saint-Soleil était déjà éclaté, mais nous avons besoin de monde qui peut bailler Saint-Soleil à pire. Okay. Et même avec Haïti, si nous avons un gouvernement, nous avons un travail qui a couru Saint-Soleil, parce que Saint-Soleil était capable de sauver tout en humanité. Donc, le point est-il que le mouvement Saint-Soleil là, c'est un mouvement, un très grand mouvement, parce que l'autre critique d'art qui pensait que le mouvement Saint-Soleil là c'est une dernière création picturale. Son mouvement qui éclaté avec André Malraux, ex-ministre de la culture française, qui arrive consacrer une quinzaine de pages, etc. Côté André Malraux, dit on va gagner en Libye, pour qui ça a été en Haïti, il joint toute couleur ça, toute belle couleur ça, il va pas venir dans aucun autre pays. Okay? Mais qui vont trouver ça, même par rapport avec le tableau, ou même personnellement, parce que moi, j'ai rempli le tableau pour faire, étant dans l'esprit, qui rempli le couleur. Bon, là, je parle de la création, c'est un bagage qui est fort. Parce que même pas passé, pendant mon voyage, pour mon invisible, les mouilles, côté mouillé, il y a une carte de Sophie Diamant. Les mouillés, mon petit encore pas, les mouillés, c'est sept couleurs, il est comme soleil. Okay. Donc, sept couleurs, il est comme soleil. Et puis on voit qu'ils ont l'autre côté, on a dit, mon petit encore pas, non, pas été misé avec eux, nous sommes monde qui nous a travaillé. Et puis on prend, on file sur l'escalier, diamant, mal, retourné sur la son. Et puis pendant ma terre, ils en ont voir. Il est vrai, partout dans le monde, c'est le voie exil qui récite mon certificat quand il est vrai. Mais c'est que, l'aime garder que, par rapport à carrière, et en quelle année vous même commencez à peindre? J'ai commencé petit avec moi-même, mais son bail qui était là déjà, donc les mêmes gens avec masse, grimace, ça, cap souffrir. Je n'ai plus de barrières dans eux-mêmes, mais il y a besoin de monde qui pourrait aider à développer. Je m'appelle maçon, 1969, et puis mon frère avec Tiga, 1972. Maintenant, des postes Samson qui est le même qui est chargé essentiel. Moi, je connais que des fois pour y mettre, pour apprendre à étudier des grands maîtres. Non, mon bon peintre, là, qui est-ce que tu as considéré comme maître ou même personnellement? Qui m'a considéré comme maître? C'est universellement. C'est l'univers. Et Jean-Claude Gaou, et tu gagnes même. Jean-Claude Gaou, son symbole. Jean-Claude Gaou, son équipe là qui va jamais mourir. Et ça te fait un peu aujourd'hui à aller en mémoire de Tiga. Parce que, comme nous pouvons finir, parce que nous allons bailler en leçon. Comment vous traitez la guilty? Parce que la guilty, c'est possible à utiliser. Et il faut faire, pour connecter à l'univers, pour découvrir, on sait l'univers. Mais écoutez le voix exil, passage ou avec Tiga, c'est-à-dire rencontre ou avec Tiga, qui ça dit plus marqué? Parce que moi, je rappelle que, une sculpture que tu as fait, ok? Le moment où tu as fait sculpture là, c'est même le moment que tu as quitté sculpture là, ou voyagé. Même sculpture ça, elle m'a fait des recherches moins que l'inan focal actuellement. Est-ce que tu es capable d'expliquer nous au passage comme ça? Parce que je dis que le moment où tu as fait sculpture là, et puis c'est le moment où tu as fait sculpture là, on vient d'avion, vivre nous, et puis tout parti même là, expliquez-moi en gros et en détail de bah, ça. Ça, c'était pour mon allié. Je suis venu à la caille, je suis venu à la caille. Mais je n'ai pas fait n'importe quoi. Parce que l'impression de Satia, je mettais le capi dans la boule à la caille. Après un an, sept mois, je n'ai pas fait la caille. Beau. Je dis qui est comme ça? Il dit pareil, toi.
n'allez pas être moi, c'est ça, c'est à qui a des voiles en l'air. Il me dit, je ne vais pas faire le but là pour ne pas avoir le nom. Et puis, il me dit, mais qui j'aurai les dimanches, les journaux terrestres contre temps. Et puis, il me dit, quoi, pas contre temps. Il me dit, je ne vais pas les avocats de tout sec. Et puis, vraiment, je me dis, ça, c'est à me mettre là. Les déchets, les amours, c'est un coup pour le poule, on a marché la gueule. On a pu une garder. Parce que l'homme n'a même, l'homme qui est connecté à l'univers, il ne pas connaît comment pour les vibrations de l'univers, il ne pas connaît, il ne pas comment pour entrer dans ces débats, il ne pas connaît. Mais il faut qu'on monde qui là pour expliquer. Même j'ai vous-même étudié l'histoire de là. Et Gérald Domini, c'est un monde qui n'est pas de haute société, mais qui est bon dans la crise. Et c'est un monde qui peut même gagner en université, pour faire un cours, pour parler de gens de ça qui est le culture. Parce que bah, je ne parle pas n'importe qui ne parle pas de la crise, c'est pour parler de ça. Parce que bah, yo, tout le monde a un chemin. Tout le bagaille, parce que là, ils sont deux. Je vois exil que il y a plusieurs bagailles qui marquaient moi-même personnellement. C'est que moi, j'ai toujours fait des recherches au niveau de la peinture. Mais la première fois que je me croisais où, c'était dans quelle année que c'était au musée d'art haïtien avec Pierre Monousier, je crois. Il y a un musée d'art haïtien. 78. Les sortes font exposition noir et blanc. Etc. Mais expliquez-nous le peinture noir et blanc. Parce que moi, on fait peinture en couleur tout. Ok, tant que je regarde là, ça a peinture en couleur, là, il y a peinture noir et blanc, et qui a des couleurs là-dedans. Et on voit que ce n'est pas ça seulement peindre, même, ou même arriver, servir avec feuilles dans bois que pour faire couleur. C'est-à-dire que l'artiste prend matériau, il transforme en matière, et puis matière là que. Esprit à conforme que les vignes ont un bout d'art. Est-ce qu'on peut expliquer nous tout ça, le roi et dire? Bon, pour peindre noir et blanc, c'est pour pas aider de faire comme ça. C'est parce que pendant ma dormi, mon dessin noir et blanc sorti dans l'espace. Et puis tombé dans l'orage. Et puis pendant ma passé, mon lapsé plus court. Oh, regarde mon dessin noir et blanc. Il dit, c'est pour moi. Je me dis, mais noir et blanc, je suis capable de boucler le coulier là. Je vais mettre même dans le sang. Et puis le plaque, elles sont pas nos blancs. Et puis ma bombelle de ces noirs et blancs. Et puis je laisse à tout, je commence à travailler de ces noirs et blancs. Et puis son petit, c'est mon petit qui vient du consateur, les deux noirs, c'est masque. Et puis on met mes souffles, et puis on met mes souffles, c'est ça qu'on tourne. Noir, c'est mascara, blanc, signifie que c'est l'esprit. C'est mon bon feu, là, parce que dans les temporels d'André Malraux, moi, arrivé à découvrir une peinture, là, que ça, André Malraux dit qu'on savait, artiste là, c'est feuille, il prend, ok, il est obligé de bailler couleur. Pour faire un tableau. Expliquez-moi qui vont arriver à faire ça. Bon, pour petit pour jus végétable, je m'entraîne dans l'expérience. Je m'entraîne dans l'expérience, mais toute expérience en peine à peinture, je connais son bail qui est très fort parce que c'est le produit qui a très nature. Et puis, je prends betterave, je grage betterave, je grage carotte, je prends feuille l'amant, à tout le monde, je prends feuille tomate. Et puis les chats mettent dans ce bocal, puis je gâche mon yoc, je prends mon yoc là, je fais amidon, et puis je mets un petit bail dans chaque bocal. Et puis je prends terre rouge d'eau, je fais de la composition de couleur, je prends charbon diffé avec plat noir. Mais pour tout le tableau avec du végétable, ça c'est lui-même qui nous trouve, côté sorti, côté gâche. Parce que je me disais même, mais combien de temps ça va pour moi? Je me disais, je ne sais pas combien de temps ça va pour moi. Parce que si je suis un peintre qui fait 20 ans, je fais un peu de temps. Et avec un monde qui dit dans les 50 ans, il y a un monde qui fait 20 ans, on a 20 mois.
J'ai monté pour le même 15 jours sur la terre de mourir. Mais c'est pénible, ça nous montre que tout ça aussi pour nous parler. Commencé avec 15 ans, 20 ans. Et puis les réalisateurs ont dit bah, ils sont dans les mêmes. Et puis ils parlent dans la pièce. Les mêmes gens l'offre en tout le monde, on va pas le lettre, on va pas le vivre, on va manger bien. Ouais, tout le monde n'a pas tout le monde n'a frais. Mais tout le monde a commencé à gagner 15 ans, 18 ans, les barres ont l'autre aspect. Aspect grand monde. Mais ils ne pas rentrer dans l'autre domaine. Ils ne sont pas rentrer dans l'autre temps. Ils ne pas rentrer. L'être ou à peine que bien que il y a un auteur qui dit que l'artiste là, c'est l'artiste est un outil. De mis au service de l'univers. Donc, l'artiste, pour moi, même personnellement, est toujours imprégné, c'est-à-dire enveloppé par quelqu'un d'autre, que un esprit. Donc, ou même personnellement, que les Wapen, est-ce qu'on va arriver à chanter et qui Dieu qui. Bon, pas qu'on est. Qui chanter, que, ou même personnellement, que les Wapen, est-ce que c'est au son de l'Egba, de Dantor, ou bien des Julie, parce que toujours. Était un peintre mystique, bien que l'art a pris une naissance à partir des manifestations divines, mais l'essentiel que qui ont l'air à peindre, qui ont peint. L'air à peindre, parfois, chanter avant de finir. Mais qui devait nous la faire fort. Nous font tabou et puis on peut chanter tous ces endormis. Mais qui chantait, oui, par exemple c'est endormi parce que nous avons 19 chanter là. C'est quand ma peine d'endormi. Parce que pour les manifestés, moi, les gondames qui vont être dans le pouvoir, exil, l'oranger, c'est pour le monde. Il n'y a pas d'ordre d'une l'oranger, c'est pour le monde. Pas d'ordre d'une l'oranger, c'est pour le monde. Et puis, même côté à tout, ils disent, ah, nous chantons, nous les voir. Ils disent, même pas comme ça. Ils disent, non, ouais, les voir, ils peuvent commencer. C'est le moment où on va faire un tableau, ou bien que on va tracer un tableau, que on va arriver et chanter, chanter ça. Bon, donc c'est des tableaux qui sont tellement rendus artistes. Il y a des tableaux qui font, c'est le marché de l'explication, mon tableau. Ou bien il y a des tableaux pour travailler là, je suis d'abord travailler là sur table là. Parfois, moi, j'ai un tableau bien d'eau, nous sommes équipés collectés. Avec tous les palettes. Si vous soleil là. Oui, parce qu'il n'y a pas les dessins soleil, le soleil. Si vous soleil là, il est là pour un voyage, pour le travail là pour un voyage. Mon monde vise au mieux qu'on a chanté dans la main à couler. Il y a une dame qui paraît pour l'homme sous table là, dame dans le exil, il voit la fumée là. Il commence, pas de rentrer table là, on va commencer. Jambalao, ma de kilo, 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 ma de kilo,
Nous passons, c'est presque à la fin de cette émission, mais le voix exil que toute expérience ça que vous gagnez, hein, vraiment que comme on déjà dit déjà, vous arrivez à partager avec d'autres artistes du mouvement de Saint-Soleil. Même Saint-Soleil n'a seulement pas arrêté 60 la montagne, hein, Saint-Soleil là, on voit que les propagés, hein, avec Rayon Yo. Donc, qui perspective vous gagnez pour le mouvement Saint-Soleil là, pour peindre Saint-Soleil là, parce que depuis après la mort de Tiga, est-ce que vous avez une certaine défaillance dans le mouvement Saint-Soleil là, parce que le voie exil a toujours été le voie exil n'a pas changé, le voie exil, il a su garder la ligne du mouvement de Saint-Soleil, mais le voie exil, qui sont capables de dire pour l'autre artiste peintre qui dit au Saint-Soleil, est-ce qu'on est capable d'énumérer réellement artiste qui est rapproché à mouvement de Saint-Soleil là? Bon, c'est deux à différents, parce que même les, tu commences avec Tiga, Tiga n'a pas de mettre le mouvement pour vendre tableau devant. Donc, fait tableau, et puis c'est titre tableau, réunis avec tableau, on a fait conférence avec tableau, et puis prêter ensemble, manger ensemble avec Tiga. C'est ça qui peut mettre une entrée, une artiste qui paraît, qui fondé dans ces soleils. Parce qu'avec l'artiste Koudio, ce n'est pas même bagaille. L'artiste Koudio, pour nous réunir, même c'est copié par MFR. Et puis, grand peintre a copié tableau. Et puis, tableau, monde, a fait comme. Et vous voyez, on mettre le nom tout dans le tableau pour y faire comme. Et il y a une chance qui veut dire. Si je prends un qui veut dire bon, je vais bien pitié pour eux, il n'y a pas obligé à le faire déjà direct. Qui chante qu'à arriver remédier ça? Parce que, ou même étant jeune dans ténor dans peinture mouvement Saint-Soleil là, c'est que, et pas moi-même seulement qu'à plein, il y a des gens qui disent bon, tu n'as pas là, que c'est le roi exil, c'est Honel, c'est l'esprit anti-l'homme. Et tant d'autres gens passent, mais je dis, tant que tu as vu qu'il y a un désordre dans le mouvement Saint-Soleil là, est-ce que si tu as rêvé ou y a là, est-ce que le pata qui arrivé au regret de mouvement ça, qui approche, qui remet ou t'as arrivé pour te pour t'as guéri malade ça, qui conseille ou t'as arrivé by et jeune pensaïo qui t'a vu aller dans le mouvement Saint-Soleil là, qui conseille ou t'as capable de bailler pour être capable d'arriver, même temps ou même personnellement, pour être capable d'arriver, qu'aimer le même ligne de Saint-Soleil-là, pour l'air qu'il y a parlé de Saint-Soleil-là à Haïti, pour toujours continuer à parler de Saint-Soleil-là, même à l'extérieur, comme auparavant, tant que Jean-Claude Gaou était là. Bon, connaître Saint-Soleil, c'est en université. Saint-Soleil, tu veux dire par université, on parle avec un gros building. C'est une université qui est plus grande que mon building 120 ou 150 étages. Parce que souvent, les voies exilées, chita là, la travail, et me connecter avec les monde. Et c'est sur les grands lignes, qui veut dire sous-suivre les lignes,
Et va bien arriver un bon artiste Saint-Soleil. Mais ce n'est pas sur l'île, non, il va penser sur les gars. Mais le besoin, c'est toujours pour les voies exil à venir. Mais si ça fait, les voies exil, métaphysiquement, pour Mosou, Léon, Léon. Même les voies exil fait un changement de vie, pas que moi, les voies exil qui peuvent installer, on sait qu'il n'y a pas. Là, c'est pas permis ça. Et, même jour, changement de vie fait, même jour, pas d'acte, les voies exil, bouler les voies exil. Et puis, c'est une grosse photo, mais c'est une grosse boîte. C'est peut-être pas le décider de boîte là. Et puis, c'est pas boîte fermée. Et puis, on sort de la possession. Moi, des mois, on a marché pour la peine, ouais. Et puis, je suis passé pour eux, radio, télé, journaliste, télévision, tout a passé le voir exil. Puis, on me trouve, on est un paysan qui t'est levé avec parents, qui t'a gardé bête, qui t'a fait café pour maman, la vassette pour maman, et pour qui lui paraît sous scène internationale. C'est pas Haïti chez elle qui ne peut pas être, qui en plus le monde connaît, son autre nationalité, pas haïtien. Et de toute façon, que le voie exil, juste une dernière question. Moi, je crois que vous voyagez en pile, vous exposez partout dans le monde, que ce soit en Pologne, en Israël, etc. Mais, on dit que vous avez combien, dans combien de pays que vous visitez déjà? Bon, on fait 61 pays. Je fais des mois en Israël, je fais 7 mois en Pologne, je fais des mois en Allemagne, je fais des semaines en Suisse. Je ne vais pas faire des pays honnêtes. Parce que si on est sur YouTube, pour bien voir sur Google, on va pouvoir qui ça qui les voit avec eux. Parce que en Amérique, c'est la Caïman. Parce que sur 2010, parce qu'on m'inspirait, on a gardé des Américains, ceci, ceci, là, mais ce n'est pas un point. Mais sur les voies exil, petit paysan, 2010, passeport, expiré, puis pour bloquer des mal dans le pays, juste Washington, sans passeport quand même. Ça, c'est gros bagage. Ombre et lumière. Ah, oh, oh. Nous vous remercions infiniment d'avoir assisté à cette émission. Je crois que nous avons partagé ensemble les dires de Le Voix Exil. Je crois que vos observations, à elles seules, pourraient découvrir et apporter un jugement profond par rapport à la peinture de Le Voix Exil, ou bien par rapport à toutes ces peintures, toutes ces toiles de Le Voix Exil, de par vos observations, un jugement assez profond qui pourrait pousser une certaine imagination à connaître mieux Le Voix Exil, comme l'un des ténors de la peinture haïtienne. Sans oublier, cette émission est rendue possible grâce à la Galerie Nader. Notre caméraman et producteur Jeune en Dieu et votre présentateur Dorvelus Gérald. Cette équipe-là vous dit bonsoir et vous salue. Et nous attendons d'autres sponsors parce que de par rapport à cette émission, c'est juste à pouvoir redorer la peinture haïtienne, le marché de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. À vous faire un peu de mémoire, la Galerie Nader se trouve à la rue Grégoire, au numéro 50 à Pétionville. Ombre et lumière. Ah, oh, une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 316 Digital Cable Téléméga Star avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.